Vélorussion, c'est un mouvement international qui vise à essayer de se libérer des transports polluants dans les trajets quotidiens. C'est un projet qui offre énormément de perspectives et puis qui permet de manière assez ludique, assez joyeuse, de se questionner sur la question de nos mobilités. Donc les SNE en Vélorussion, c'est 3 concerts dans 3 lieux différents. On répète jamais le même set. Donc ces petites capsules que les SNE a proposées, c'était des concerts d'une 20aine de minutes par lieu. Et la particularité, c'est qu'on se déplaçait à vélo. Donc eux, évidemment, mais nous aussi en tant que public. Et on transporte tout le matériel nécessaire pour réaliser ces fameux concerts. On essaye aussi de se rapprocher le plus possible des associations cyclistes pour nous filer un coup de main sur le prêt de vélos, sur l'accompagnement du public pendant la Vélorussion. On l'a, nous, expérimenté à la Carène l'année dernière autour des pianos de la ville, mais il peut être tout à fait exporté à d'autres endroits, sur d'autres territoires. C'était une vraie expérience aussi pour les publics de se déplacer à vélo, de découvrir que c'était possible en fait et que c'était pas non plus la grosse galère de se promener à vélo et d'aller d'un point à un autre pour assister à des concerts.